Oba, ça hey, va, ouais. 2 sur 226. Pareil! 4 verres, Toto, c'est donc bien dur! Bonjour, Toto! Pas pour PGM Play. Pas pour PGM Play. Re-bienvenue tout le monde au. Où ce qu'on fait au level de Mario Maker? Mm-hmm. On est avec les levels de Gamer Gong, sous le nom Toto. On fait Jumpman. Jumpman. I'm away from you! Bon. Okay. Africa. Ah ok, c'est la tune de Toto. Oh, ouais, c'est bon. Même pas qu'à moi non plus, mais très bon classique. Ou On the line. Ça a pas rapport avec Toto. Bah oui, c'est Toto, c'est tout. Ah ouais. Genre, moi, les deux seuls que je connais, c'est Africa pis Rosanna. Okay. Rosanna, Rosanna. Mais ça, je savais pas que c'était Toto au-dessus. Rosanna. Okay. Moi non plus. En tout cas, Gamer Gagné, je sais pas si t'avais réalisé que ton surnom c'était un des plus grands groupes rock des années 80. Un très bon groupe. Ouais, pareil, c'est correct. Il y a un nom bâtard, mais. Il est Toto, ouais, tu peux. Ouais. Non, c'est un peu bâton, mais. Ça a l'air Toto un peu. Ils ont des très bonnes tunes. Mais tu sais, ne pas confondre Toto avec le total de plusieurs totales que Toto, le chanteur, ou le créateur de le célèbre créateur de Level Mario Maker. Oui, oui, oui. Le reconnu. Reconnu! Mondialement. Shigeru Miyamoto, il a interviewé toi. Ah ouais. Shigeru Miyatoto. Miyatoto. On va faire encore plein de jeux de mots avec Toto, genre. Ouais, Toto. Ah non, fuck! Toto! Hey, t'as-tu vu mon nouveau char? T'as-tu vu ma nouvelle Toto? Ah, j'ai de la misère à la dire, mais en tout cas, vous la comprenez. Ouais, ouais. T'as-tu vu mon nouveau Toto? Toto vu mon nouveau Toto? Oh, ouais, c'est pas meilleur. On en recommencera pas avec des hosties de jeu. On en recommence la vidéo, bienvenue! Bienvenue pour tout le monde! Ça va bien? Ben oui! On avait-tu parlé que ces nuages-là, ils traversent à la vitesse de la lumière, genre... Je sais pas, man. Genre, on dit que c'est comme la plus grosse ouragan, genre de l'année, là. C'est okay. Rien que genre, moi quand je regarde les nuages... Moi quand je regarde les nuages, je vois souvent genre des nuages. Ils font une traîne, je vois pas une crème glacée ou... Je vois pas une crème glacée ou un canard. Ou un bonhomme qui pisse. Ben quand genre tu te mets vraiment à forcer sur des aquas, ben sur quelque chose, tu vas commencer à le voir dans les nuages. Ouais, c'est non, c'est clair. Fuck. Je t'avais bien trouvé. Mais genre, c'est pas quelque chose que je fais. Tu l'as réussi quand on l'a fait la première fois. Ben c'est ça. Ben moi je l'ai fait juste quand que... Pis que je suis à la bol, mettons. Pis que tu check dehors. Ok. Tu prends conscience de l'environnement. Ouais, moi, la fenêtre dans la chambre de bain est en arrière. Faudrait que je check dans le miroir pis dans la fenêtre. Faudrait genre que tu pisses contraire à la toilette, genre. Ouais, genre, tu te mets les genoux sur la toilette pis tu pisses dedans. Non, mais si je pisse, je peux voir dehors. Mais c'est si chiant, je vois pas dehors. Mais pisser debout, tu peux avoir pour la prostate, les gars. Ça a l'air à ça, là. Ah, ouais, mais je veux pas. Non, 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 non! Je suis pas un esti de poussi, mon gars, je vais pas pisser assis, certain. Ah non. Oh, honnêtement, là. Tu pisses assis ou debout, l'important c'est que tu pisses. Ouais, non, non, mais c'est à cause que moi, genre, j'ai un bon jet, fait que là, si je pisse assis, bon mon gars, ça va tout m'envoler ses couilles, là. Fuck off. L'affaire qui est plate, genre, c'est quand tu pisses assis, puis tu chies en même temps, genre, plus là, tu lâches un gros crisse de pète, pis là, t'as. Ça met tellement de pression, genre que là, ta graine elle devient dure un peu, pis là, ta pisse elle va partout, genre! Ouais, ouais. Non, c'est ça, genre, surtout pisser bandé, là. Tu sais, surtout le matin, là, bandage de pisse, ouais, ouais, mais. Woody. Ben intense, là. Ah, c'est un petit Woody, j'ai un serpent dans ma botte, yo. Un serpent dans mon caleçon. Un serpent dans ma botte! Dans mes bobettes. Oh shit, non shit! Oh shit! Oh! Hey, oh! 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 Elle vient pas sauter, ouais, ouais, c'est le nice. Réflexe là! Elle s'est crisse la tête d'un pied! Oh! Ok, bon. Là, là. On y est plus. Tu l'as. Oh oui, oh oui! Non! Wouh! Wouh! Ouais. Oh! Ça
Ok. T'es mauvais, Merlin. Shrek Point. Shrek Point. Go. Shrek Point. Ouais. Hey Fiona. Non. C'est quoi qu'il y a? Oh my god. Voyons, sérieux. Ça arrête pas, là. J'suis un ultime. C'est easy, ça. Fantastique, je gagne. Hey. Viens pas en rajouter Jibber. Ouais, mais t'es rendu à la fin, là. J'aime bien cette mécanique là, c'est tight. C'est tight. Moi, j'aime bien quand tu réussis à la mécanique là. Ouais, c'est vrai que c'est le fun, c'est tout. Oh, mais oh, t'as vu. Là, on a plus de moche là. Oh, Toto! C'est toi le Toto. Ouais, c'est toi le Toto. C'est toi le. Les gars, les gars! T'as de marre, mon gars. T'as de marre. C'est vrai que j'étais un tas de marde des fois. Ouais, tout le monde est un tas de marde. Ouais, ça arrive. C'est ça que je disais dans mon cours de communication. Viens pas dire ça à une psychologue, mon gars. Genre, viens pas dire ça à un prof de psycho au cégep, genre que. On est tous des tas de marde. Ouais, c'est ça. Moi, dans ma réflexion, j'ai dit que je considérais tout le monde comme un tas de marde, à part égal. Sauf qu'il y a des tas de marde avec lesquels je m'entends mieux que d'autres. Ok. Fait que tu me considères comme un tas de marde. Ouais, pis moi tout, je suis pas meilleur que les autres, là. Fait que je suis un tas de marde aussi. Mais tu sais, en quoi je suis une si mauvaise personne que je suis un tas de marde, là? Non, mais je m'entends bien avec le tas de marde que tu es. Genre, c'est pas méchant, là. Ben non, là. Fait que tu prennes le. Prends bien, là. Prenez-le pas mal à la maison, tout le monde. Vous êtes des tas de marbre! Ben oui! Comme tout le monde sur la terre, vos parents c'est des tas de marbre, votre prof c'est des tas de marbre, la police qui vous a donné une étiquette tantôt c'est un tas de marbre. Tout le monde est des tas de marbre. C'est-tu à cause qu'on fait des choses pas très gentilles dans notre vie, genre quand ça fait qu'on est des tas de marbre? Ouais. Si mettons on aurait une vie complètement parfaite sans péché, on serait pas des tas de marbre, genre? Mm-hmm. Ben en même temps, tu serais un tas de marbre parce que genre, si tu crois en Dieu, t'es un tas de marbre, genre. Non, il n'y a pas de si tu fais si, t'es un tas de merde. Tout le monde est un tas de merde, tout le monde est à égalité. Genre, on n'est pas. Sinon, eux autres, ils aiment bien voir le verre d'eau à moitié plein. Ils sont comme. Ouais. On n'est pas des tas de merde, on est tous extraordinaires. Mais si on est tous extraordinaires, ça veut plus rien dire. Mm. On est tous des tas de merde, ça veut plus rien dire. Puis ouais. That's it. Ouais. Fait que. Il y a beaucoup de gens qui veulent être dans le. Le moule. Ouais. Mais le moule, il fait pas à tout le monde, ça qui arrive. Non. Ouais, mais en même temps. T'es mieux de trouver ton moule à toi. Ben oui. Ouais, mais en même temps, justement, faut quand même rester près du moule parce que, genre. Si tu tues des gens. Non, c'est ça. Si t'es trop intense à un moment donné, genre. ça, c'est le côté moral. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est mon œuvre d'art. Ton de marde. Mais tu sais, c'est comme George Carlin, il disait un moment donné, genre. Pas sûr que Toto il est content du petit robot avec une grosse pipe. Genre, George Carlin, à un moment donné, il disait dans un de ses spectacles, voyons, tu sais, que tout le monde, genre. Comment je pourrais expliquer ça? Ouais, c'est ça, genre, il disait dans le fond que quand que. Tu sais, mettons. Quelqu'un me dit « Ah, ta gueule, t'as pas le droit à ton opinion, genre... » Ben moi, mon opinion, elle me dit que toi, t'as pas le droit à ton opinion. Puis genre... Tu sais, parce qu'il croit en 100% de liberté, genre. Ouais. Fait que s'il y a quelqu'un qui te fait chier pis qui dit que t'as pas le droit à ton opinion, ben genre... Tu peux le tuer. C'est dans tes droits. Lui, il a le droit de te dire que son opinion... Tu sais, tout le monde a le droit de dire son opinion. Puis son opinion, ça peut être que t'as pas le droit de dire ton opinion pis t'as le droit de le tuer. Non mais c'est vrai là. Allons-y, Dave. La maison hantée. Je pense que c'était celle-là avec le petit bonhomme là, chinois, pis là ça a dégénéré à ce moment-là. Ah ouais. Ok! Fait que à la maison, ne vous tuez pas. Ne vous tuez pas. Non, hey, c'est vrai guys, ne vous tuez pas parce que dites-vous vous comptez tout le temps pour quelqu'un. Ben ouais, c'est ça, vous êtes un view sur nos vidéos. Vous êtes un view sur nos vidéos. Alors, on est avec des Haunted Mansion, encore de Toto, Game of Gang. En compagnie d'une trentaine de vues. Ouais, c'est pas pire. C'est correct. C'est mieux que genre zéro. Ouais. C'est mieux que genre zéro. C'est mieux que, mettons, 6, c'est la finale de Sunshine. On enlève-tu ouais, les. Ouais, on enlève-tu les commentaires. Ouais. Mais pas qu'on veut pas voir ce que les gens ont écrit, mais c'est troublant comment qu'il y a pas de musique. Genre. Ouais, c'est vrai que c'est troublant ça.
Point. C'était où, non? J'en ai aucune idée, c'était moi qui l'avais passé, celle-là. Oui. Parce qu'on le répète encore une fois, on les avait déjà faites, les levels, mais malheureusement... Il a fallu tout crisser ça, là. Parce que c'était de piètre qualité, on va dire ça comme ça. Parce qu'on avait un petit gars. On gardait un petit gars. Calvaire. Ça s'en produira plus jamais. On va-tu en garder bien souvent? Plus jamais on va faire cette erreur-là. Non. Ça va être beau. Ça va être beau. Oh non! Oh! C'était quoi? C'était-tu celui du haut? Ça? Je pense que oui. C'est un bruit de flèche au début. On dirait quoi. Mais non. Oh non, c'est l'écran qui fait. Là, ça fait un peu le son. Non, c'est l'écran qui fait. C'était peur à ce moment. J'ai regretté après. Ouais, je m'en. C'était un billet de loterie, je l'ai regretté. J'avais comme. Je l'ai gratté, puis après ça, je l'ai regretté. J'avais comme pas d'aller dans le petit pot. Je l'ai gratté, puis je l'ai regretté. C'est François Pérus. Ah, c'est toi que tu prenais la poule aux œufs d'or, man. Ah non. C'était la millième hier. La millième poule aux œufs d'or. Ouais, ouais. Félicitations à la poule aux œufs d'or qui a fait millième poule. Là, les gens à la maison savent probablement pas c'est quoi la poule aux œufs d'or. Pour nos amis européens. C'est de la merde. C'est comme piment fort, mais pour les petits vieux, genre. C'est comme piment fort, mais pour les petits vieux. Mais honnêtement, sérieux, piment fort, c'est crissement pissant, man. Honnêtement, là. Pissant. Sérieux, là, c'est pissant en tabarnak. Ah ouais. Ouais, ouais. J'aime Joy. Je sais que Mike Ward avait commencé là-dessus, là. C'est vieux. Pis il a dit genre qu'il avait pas vraiment. Qu'il avait pas vraiment aimé ça parce que tous les jokes étaient scriptés. Là. Ok. Oh. Mais là, je pense qu'à ce temps, ils ont plus de liberté un peu. C'est plus le même scripteur, genre. Mais sérieux, genre, le concept est cool, là. Ça a fait découvrir des humoristes, pis. Ouais, mais c'est... Pis la poule aux œufs d'or pis piment fort, ça n'a aucun lien. C'est Jean-Jacques Brathwaite, esti, qui est... Normalement. Jacques, ouais, non. Jean-Jacques Brathwaite. Mais pourquoi qu'il existe, lui, genre? Pourquoi il existe pas? Ouais, pourquoi qu'il existerait pas? Ben, parce que Chris, tu l'as pas vu, mon gars, dans Petite Vie, il faisait un esti de mauvais noir. Ah, oh, mais ça, c'était pas de sa faute, ça. C'était Claude Meunier qui grisait. Ouais, mais il avait pas envie de prendre un vrai faux noir. Un vrai faux noir. C'est à cause qu'ils ont pris Normand Brathwaite pour que ça ait l'air d'un vrai noir, mais ils prenaient un esti d'accent mongol, genre qui avait même pas l'air d'un noir. Prends ta vraie voix, là. Pis là, ça t'a offusqué il y a 20 ans, genre. Ben, tu sais, ça m'a pas offusqué il y a 20 ans, là, parce qu'il y a 20 ans, genre, j'étais à peine au monde. Là. En tout cas, mais moi, je sais pas pourquoi tu chiales, là. Mais genre, tu sais, Normand Brathwaite, il est bien correct, là. Je sais pas. Tu l'apprécies pas plus que ça? Non. Question du jour, est-ce que vous appréciez Normand Brathwaite? En fait, je me calisse pas mal de tous les artistes québécois. Bon, c'est ça. Fait que tu peux pas avoir d'opinion dans ce cas-là. De quoi je peux pas avoir d'opinion? Ben, si t'en calisse. Ben, genre, je peux dire qu'ils sont caves. Mais pourquoi tu dis qu'ils sont caves? Parce qu'ils sont poches, hostie! De quoi ils sont poches? Pourquoi son poche? Genre. Moi, je suis pas d'accord avec le fait que, genre, ils vont comme se prendre pour quelqu'un parce qu'ils jouent. Ils font une esti d'émission qui est populaire pour, genre, 40 000 personnes, gros top, là. Je sais pas, là. Ben, je vois la haine dans le visage de Frédéric Rocha. Tu sais, je sais pas, là. Mais, tu sais, je suis sûr que ce serait genre, le genre de personne avoir la tête haute devant genre PewDiePie, puis genre considérer PewDiePie comme un stunnard quand il est bien plus connu au final que ouais, ça. Ouais, mais ça n'a pas rapport là, c'est pas tous les artistes là, qui se prennent pour des grises de stunnard là. Non, mais c'est ça, mais genre au Québec il y en a pas mal. Ben aux États et tout, il doit en avoir le même nombre là. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu rejoins un plus grand public que t'es pas un artiste. Ouais, mais c'est justement là aux États-Unis au moins ils ont le mérite d'être suivis genre par des millions et des millions de personnes, là, pas rien que genre 40. Mais c'est ça change quoi? Ben je sais pas, moi je trouve au Québec ils se prennent comme trop big pour qu'est-ce qu'ils sont là. Genre à la limite, mettons, je check Guillaume Lepage, pis tu sais,
c'est correct qu'ils se prennent big parce que ça fait des années et des années. Mais là, quand ils vont faire passer, genre, voyons, fucking Philippe Laprise à prière de ne pas envoyer de fleurs, tandis que ça fait genre même pas 3 ans qu'il est en carrière, au pire, genre, allez chier, c'est... Ah, mais là, ça, c'est prière de ne pas envoyer de fleurs là, qui fait ça, qui décide ça, c'est pas l'artiste en non, tant que. Non, c'est parce qu'il manque d'artistes au Québec pour faire des astuces d'émissions de prière de ne pas envoyer de fleurs. Il aurait dû arrêter l'émission si c'était pour être ça au bout de 2 saisons. Sur une autre note, aimez-vous le petit fantôme que j'ai dessiné? C'est pour faire fête. C'est pas peu pantoute, hein? Pas peu pantoute. Je fais de moins. Oh, il est cool. Merci, Toto. Il y a comme 3 jambes, genre. Hein? Il y avait comme 3 jambes. Non, c'était des. Ben. Ok, c'est bon, c'était ces petits. Ah ouais, ces petits fantômes Pac-Man, genre. Ouais, Pac-Man ouais. Style. Ouais, c'est cool, c'est cool. C'est chill. Oh, mais sur ça, on se dit-tu next time SPGM? Sur cette grosse conversation sur les artistes québécois. Pendant que je dessinais un petit fantôme pas très joli. Et leur influence. Ouais, ouais, on se dit à la prochaine fois.